raiden andi ko wadi kon ko nyaawore Allah ara enen hide munni hide tori be kambe kadi ko be munyo sifa dum wadi no nokkeedi buy ara en tori Allah e telen o toñe do yalla hattiniran en ni ara ka tigi tigi ko dum do marden ko sadi mabbe ko toli la masallu wa sallam ala jadlay won takko mon do kanko suka Zamsdin balde do e inde bengure nden ga ha hewta federal ratoma 3 on no hewtira bengure nden haray elage ko no tenir don ni haray ko delegation opposition républicaine non molaji mamad sellu dalen jallo ardi woni ko hewti ka bengureji men ga battane wajibiji men yurmudi ko wadi ga kon dolle ko ko be suka be me woni ko sahimbina kon tander quartierji men ga tawata ko hanu be hiwde en ben dulle ko dadidi daribe ben be tawata ko enen jama lagine en fow woni ittude woni kafude mo be e golle hun ka kasbata ko be wona e bornede kon ko be wona e yobede kon ko be ngureji mabbe woni e nyamude kon ko be woni sombo sahim bina gollem be sukabe men do ko adi kon heden toli Allah yo Allah yurme en yafobe haray e ko hikkiti don tipude dun don haray e bore nden jettano ila hanki bimbi hewtugol ka beengureji ga e hiden andina e galdo fuddi kono non haray e galdo kadi no dum do woniri non e no wadiri non haray no wonani e mande president on ko dum holli hecciyanki ka mabbe Dixin wondema jemma on fobe danaki menen be suti don do ben fow meden felliti onon kadi meden be men tawi ben fow hay e goto danaki kalama gineenjo andudo ko fala falana do ndi leydi do nundal e labal e portal e bantal onti o danaki ka woni don parce que ko woni wadde kamen ko nini no jeya e kawe haray hanki bimbi e 10h mortondirano halda hewtete ka be ngure ga kono tayno sai on feondori non tigiti gon tay wawota ko hewtade men haldi men fotti haray yo men accu hande men hewta ka be ngureji ga don haray o delegation tekkudo mo tinu don do haray ko dum inni o hewtuga pellet sunno on ko en fo sendodi wajibi on ko en fo woni ko hebi haray ko woni hore delegation on ko president men on Alhaji Mamad Sellou Dalé Diallo tigi haray hibe wondi e yesobe ka parti UFDG hibe wondi e yesobe ka opposition républicaine telema ka opposition hibe wondi e monsieur Ahmed Kourouma haray be do ko vice président ka parti groupe parti monsieur Papa Koly Kourouma haray hibe wondi e monsieur Boubacar Diallo ben don ko horebe parti no wiye PPD haray hibe wondi e monsieur Kaba ka parti Fidel hibe wondi e monsieur Kourouma ben ko horebe parti RRD hibe wondi e monsieur Nestor Kabaduno ben ko horebe parti UGDD hibe wondi e monsieur Rafi Ousso be do ko horebe parti no wiye PRP hibe wondi e monsieur Biro Souma be do ko horebe parti no wiye PPC hibe wondi Elage Ismaila Balde be do kadi ko horebe parti ka opposition ton hebe wonde e monsieur Talib Ba be do ko vice président ka parti monsieur Faya Milimono BL hebe wonde e monsieur Adama donc vice président BL ben don foka ka parti BL woni ko be tawa haray be ngure politique kadi UFDG on hebe wonde e Elage Ablaye Juma Diallo be do ko be membre conseil politique UFDG ko vice président ka assemblée nationale hede wondi e Elage Ibrahima Sherif Ba ben don kadi ko vice président ka UFDG membre du conseil politique hede wondi e honorable Elage be ko toli raiden andi ko wadi kon ko nyaawore Allah ara enen hide munni hide toli be kambe kadi ko be munyo
si fa dum wadi no nokkeli buy ara e tori Allah e telen o toñe do yalla hattiniran en ni ara e katigi tigi dum do marden ko sadi mabbe ko toli kambe di delegation ji jantaadi do e wobbe ge buy buy no gaabe jantaaka bay tan on wawata yonude yen andi e mari be yakanyun kadi yeso do ara e moko baabe meden buy e almami be no do duwanobe presentede kono meden tori be be yafo yandi sabi Allah bay sa on no bitti ara joni tan be lo be hollita en na en delegation on programme ko fewndi ga ko jokkelu Allah masallahu alaihi wasallam awa joni hara do yo be jaabi tan de l'opposition républicaine messieurs les leaders de l'opposition républicaine messieurs les membres de la direction nationale de l'UFDG, honorables députés, chers collègues présents à cette cérémonie, Monsieur le Président. La famille de feu Ali Mouba, abattue le mercredi 7 novembre 2018, abattu lâchement par les forces de l'ordre. Mes charges, Monsieur le Président, de vous dire qu'elle a séché ses larmes. Dès l'instant que vous vous êtes personnellement déplacé, Monsieur le Président, avec tous les leaders de l'opposition républicaine, y compris les membres de la direction nationale de l'UFDG, pour venir partager avec cette famille les douleurs qu'elle a ressenties depuis l'après-midi du mercredi 7 novembre 2018, suite à l'assassinat perfide d'un citoyen qui ne cherchait qu'à vivre sa vie. Depuis cet instant, Monsieur le Président, la famille me charge de vous dire qu'elle a séché ses larmes. Son père et sa mère, présentement à Télémélé. Sa famille qui est à Télémélé. Sa famille qui est à Conakry. Ses amis que vous voyez là, tous ces jeunes, sont ses amis, ses voisins, les sages de la localité de Wanidara, la famille biologique de Mamadou Ali Mouba vous rassure qu'ils ont séché leurs larmes. Monsieur le Président, il faut ajouter à cela que nous restons mobilisés, massivement mobilisés derrière vous, Monsieur le Président, derrière les leaders de l'opposition républicaine, derrière la direction nationale de l'UFDG pour continuer le combat que vous êtes en train de mener pour asseoir, raffermir la démocratie dans notre pays. Ce sont des valeurs que vous avez toujours défendues, Monsieur le Président. C'est votre combat quotidien parce que vous incarnez des valeurs de paix, d'unité nationale, de justice, de concorde et de fraternité entre les filles et les fils de ce pays. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que cet acte ignoble qui a été commis ne nous découragera pas, ne nous fera pas baisser les bras. Au contraire, cela nous galvanise davantage pour continuer le combat jusqu'à la victoire finale de l'opposition républicaine, jusqu'à ce que vous, Monsieur le Président,
vous soyez président de la République de Guinée en 2020. C'est cela le message, monsieur le président, que la famille voudrait vous transmettre au nom de tous ceux qui sont là aujourd'hui, notamment à Wanidra. Monsieur le président, pour terminer, je voudrais vous dire que Mamadou Alimouba porte le nom de son oncle, qui est un militant historique de l'IFDG à Telmile, dans la commune de Telmile. Il porte le nom de ce dernier. Et ce dernier est légendaire, il est absolument un symbole à Telmile dans l'UFDG, dans la commune urbaine de Telmile. C'est pour cette raison d'ailleurs, monsieur le président, que dès la prise de service du nouveau maire UFDG de Telmile, le maire a pris le premier acte en nommant justement ce Mamadou Alimouba comme responsable de la corporation des bouchers de la commune de Telmile, en reconnaissance de tout ce qu'il fait pour le parti dans la commune urbaine de Telmile. Ça a été le premier acte que le maire de Telmile a eu à signer après sa prise de service. C'est pour vous dire que la famille de Mamadou Alimouba est une famille de l'UFDG. C'est votre famille, monsieur le président. Je voudrais donc vous rassurer, monsieur le président, une fois encore, avec vos collègues leaders de l'opposition, que cette famille de Mamadou Alimouba reste mobilisée et restera mobilisée autour de vous pour continuer à défendre les valeurs que vous incarnez. Je vous remercie, monsieur le président. Je voulais dire aux ressortissants de Telmile et aux habitants de Wanindara que le malheur qui vous a frappé est partagé largement dans le monde. Tous les hommes épris de justice à travers le monde, puisque ces images de Alimou et de Bella, il n'y a pas un coin de la planète où ces images n'ont pas été regardées. C'est l'indignation, c'est la consternation, parce que ils ont été assassinés par ceux-là qui ont été recrutés, formés, équipés et qui sont payés pour assurer leur sécurité. Nous avons dit que personne d'entre nous n'a pu dormir cette nuit du 7 novembre. Parce que d'abord, ils ont été atrocement assassinés. Mais deuxièmement, nous avons dit que ils ont été la 100e et les 101e personnes à être abattu lors des manifestations pacifiques. Nous avons décidé, au niveau de l'opposition républicaine, d'observer un deuil jusqu'à lundi. C'est triste. À son âge, quelqu'un qui ne fait rien. J'ai vu des jeunes courageux qui m'ont appelé, qui sont prêts à témoigner que c'est des bérets rouges qui sont venus sur une moto pour les abattre. Mais ils sont repartis. La mission qui leur était confiée, c'était venir abattre des jeunes de Wanindara. Ils l'ont fait. C'est la première fois que le procureur dit qu'on ouvre une enquête, mais parce qu'il y a eu un policier mort. Et c'est ça le conflit avec Alpha Condé. On ne peut pas être président de la République, on assassine des citoyens, un, deux, jusqu'à 100,
et que jamais tu acceptes qu'une enquête soit ouverte pour identifier les auteurs et les commanditaires du crime. Malgré tous les accords politiques, malgré tous les engagements pris par le gouvernement d'ouvrir des enquêtes et d'apporter de l'assistance aux familles des victimes, tout cela est resté lettre morte parce qu'il n'a aucun respect pour les citoyens réputés de l'opposition. Ça, c'est une source de conflit dans le pays. Alors les gens aiment parler de préservation des faits, de la paix. Mais si on veut préserver la paix, on doit identifier les sources de conflit. C'est une source de conflit lorsqu'on tue les citoyens. Et que ces citoyens n'ont pas droit à la justice, à la moindre compassion du gouvernement, à aucune enquête. C'est une source de conflit. On n'est pas, personne ne peut dire qu'il est d'accord avec Alpha Condé sur cette manière de diriger notre pays. Le minimum, lorsqu'un citoyen perd la vie dans une manifestation passive, c'est de mettre en place une commission d'enquête. Venir interroger les riverains, venir interroger les leaders, parce qu'on est dans la manifestation. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Jamais aucune démarche n'a été menée pour tenter d'identifier les auteurs des crimes. Ils sont au contraire encouragés, ils bénéficient des promotions et de primes parce qu'ils ont tué des citoyens. Si nous sommes dans l'opposition entre les élections, c'est à cause de ça. Sinon, après les élections, si quelqu'un prend le pouvoir, on attend les prochaines élections. Mais on ne peut pas rester tranquille lorsqu'on viole en permanence la loi. On ôte la vie des citoyens de manière arrogante. Rien. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Ko beure e yawre be wondi. Nen idem felliti ko Allah jogi wonki go. So arani kinabay kono daragol. Yetta finkari mindi fella goddo hara goddo landitata ko ma ko ndu wadanda ndo no hulbidi e leedi sal problem yemma ben no gomdini ibe andi ko Allah jeyi wonki be yarloto kono fi ngangu e hore tonne e bewre yetta finkari mandi fella paykum bobo keccho yaha kedoda da waluda danuda hara goddo landita ko ma ayna lendin no lama ko dum woni problema. Donc haray no yurmi ha fe'iti kono be wakilo den fa dum don accia yo taw ka leedi do jibinande lendi fo no fota ay kasari fanna ma onti gim bonna sariya yo taw himo dadi himo dandi mo titi lamu be do gun dum ala an siko do iwda siko do ta wada siko o parti do wonda haaju mabbe ala ima wana on lando farden ko lamantu do fu lamu fu e hore gonga e hore sariya e hore yurmende ko yem beydu wakilade no satti wuli meden andi ko hebudon do ko de balde do ila hanki meden andi satti ko nonde koyata wo wurta sattu de walla taw foyay woni ko dum si sattire. Donc haray men tori ko on yar lagol faati ben enen hebberbe baawo ben ko en wakkilo wata goddo go kadi hebu sifa dum do yo walla taw ko do hatti vraiment timo wawata wala de dano karande yawre do nde bewre do ende o brutalité ko wonde yiwde do ila hanki ha do ko hebudon para be wari yari be wari do ido berta kadi be tawa be bago yimbe ben be jatta ko be mari kom be bonna ciudin asikay on dirait qu'on est sous occupation même des occupants des militaires étrangers qui viennent occuper un pays ne se comportent pas comme font ces gens là même déjà même en état de guerre on dirait qu'on est sous occupation. Il faut que vous soyez mobilisés pour continuer le combat, parce qu'il ne faut pas qu'il meure pour rien. On ne peut pas continuer à accepter ça. Araïme de Golorion, Wakiloden, Feliton Kadi, Allah subhanahu wa ta'ala, Baye no Andi, mo Felitiko Andi, mo Ejogan, en Jama Lagine, on faut, wana o ma o. Ko fala den, ko yo faut, yur mondir,
kander leedi do ndi Allah okki jibinande lagine fo hay goto subaki jaben dun don yurmondiren wallindiren tabintinen gonga yurmende kander leedi do ko dun falat joni haray antora mayar lagol haray joni men jonnay kongongol do to den do ndiren me yaha kadi ka be kankala be den men hurondiren ma torki Allah yalla be dagge be suka be wakilare Allah haray ko Allah dalani al mautu babon kullu nafsin dahiya naam mayde ko dambugal kala jo wonki rawayde naam tawi Allah ko di Allah balde be do labi tan ko di sawra mo kono insha Allah baada usri ko yusra insha Allah naam ko nula do woni ko ma kala naam neddo o hebi newende wotuma hebi satte Allah baa o satte nono Allah adana mo newende insha Allah haray ko giggol Allah wadi Allah ci seddo ci neddo Allah yidi neddo yamira malaika be yidi ko kaari be yidi ko yamira jinnaaji yidi kaari be yidi wada yimbe be ko poji dab haray e weltani ka Allah e weltani tebe yamma julbe powton ko be mun nyago yalla kamte kat sabbo kambe woni ko tutora yo Allah hinno faati Allah yalla yarlo kambe teeni be hiwra golbe yalla ko be baral kono be yondinani ke Allah subhanahu wa ta'ala be jebbilike haray be tori be kambe kadi jebbila gol ko sadi mabbe ko toli ko dun haray musidangal hewti nomi yomi hewti ngon ko sadi modon ko toli Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim aw president haray men hewti do fi heyrin tingol ko andudon wonde ma pellet o sunu do eden kaf pellet nyande dum wadi hay e goto e men danaki o yi fotoji di ala mo yani ngandi bela adna on fono no sendi diam no sendi di men sunno parce que aden wara may hore toñe yimbe nundudu ben fo harayno haani siko bonnudo sari arewi hore mun hay siko bonnudo kondana amor si wara maray bana adam no yuru no yuru wana non mo bonna tawanon ko yimbe windabe voltina janna borna fiyo wallu no yimbe bendadira ara ko ben woni sab kono bayri be holi wondema hawrudo e jibinande lagine noddi tirtedo ka opposition ma noggi tirtedo nokugo sa wadi dun no ngalande sitake sina dun ngare no accin joni mi yewti nane ka lurru den e lamu ngum wana ko be jatti lamu ko tawde be ala yurmede jama on be hutorta sariya be hutorta gonga be anda yurmede ko be andi wo ko yimbe be wondi den alors que si Allah won jonni ma lamu ngum ngum hebirda non hebirda ngum wo ko hani ko ya yurme jama on inna yobe yurmede hebanu wandira dun lando habbora si tawi non a woni waro a woni kanso a woni feno a woni mo hunnata ahadi aray leydi mandi mi anda kadi kono yo Allah sol nan en yo Allah won fewnu leydi mendi enen hiden andi ko dum himman den ko wongol sabudi feewa fiyo gonga tabitu fiyo jibinande leydi fo dadu danda tedda fanna ma on tigi bonna ko dum fala den ko dum burtinta arani burtu no way deccude hara burta no way deccude hara burta joni non bayru burta wata deccu ko yen beydu wakilade bayru burta wata deccu ko yen beydu wakilade arai je suis avec tous les leaders de l'opposition républicaine c'est à leur nom que j'ai pris la parole c'est le message qu'ils m'ont chargé de délivrer d'abord compatir avec la famille les plus proches les voisins les amis les copains de Bella et ensuite présenter nos condoléances et leur dire que la douleur qui les frappe est une douleur partagée avec tous les hommes des prix de paix et de justice. Ils sont nombreux dans le pays, on ne les entend pas souvent.
Mais c'est une douleur partagée lorsqu'on a vu l'image de Bella abattue. C'est difficile. Mais on n'a pas le choix. On doit continuer la lutte pour qu'une société plus juste soit en Guinée. Pour que les Guinéens soient plus solidaires, plus fraternels. Et pour qu'on ait un État responsable, soucieux de la sécurité, du respect de la dignité de tous les fils du pays, sans aucune discrimination. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Et nous le continuerons, soyez mobilisés, continuons le combat, la victoire n'est pas lointaine. Je vous assure que Dieu va venir à notre secours, parce que nous sommes animés de bonnes intentions et nous sommes victimes de l'injustice. Nous sommes victimes de l'insécurité créée par ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens. Vraiment, il faut prendre courage. Nous sommes des croyants. Nous savons que la vie appartient à Dieu. Il peut la retirer quand il veut. Il la donne quand il veut. Mais on ne souhaite pas, de manière arrogante, les gens qui sont chargés d'assurer la sécurité, que ceux-ci prennent leurs armes et font usage de leurs armes pour abattre des pauvres citoyens, des jeunes de 22 ans, de 26 ans. C'est triste et on sait, malheureusement, aucune enquête ne sera menée. Ils ne seront jamais interpellés. Alors, nous sommes obligés de nous mobiliser et rester courageux. Parce qu'il ne faut pas que ces gens-là meurent pour rien. Nous devons continuer le combat. Je vous remercie et nous prions tous Dieu qu'il accueille Bella dans son paradis, Bella et Alimou, parce qu'ils sont morts le même jour par la faute de nos agents en uniforme. Allah winde be yambe shahid. Allah solnage. Allah malnoe. Allah bantu fi mede. Allah bedang en portal. Barki Allah yo Allah bedang en polgal. Allah bedi hijabe mede. Allah ko refale ji min dagi. Allah ko refale ji min dagi. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Allahumma anta al-ghani wa nahnu al-du'afa. Wa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta al-awwal wal akhir. الظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أبي استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم أقسم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انت تعلم تقلبنا مثوانا اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد اللهم ابدلهما دارا خيرا من دارهما واهلا خيرا من اهلهما اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله وين بيا بشهيد الله وصلنا الله ملنوا الله بنت في مد الله بيدان إم بورتال بارك الله يا الله بيدان إم بولغا الله بيد هجاب مد الله أكبر فارج من دقي الله أكبر فارج من دقي الله مسلم وسلم